Petty Lion dans cette épreuve d'ouverture qui offre à Kissen Chumman sa première victoire ici au Champ de Mars. Également qui fait le bonheur de ses propriétaires aujourd'hui en sortant vraiment le grand jeu. On pourrait dire qu'il a mangé du lion aujourd'hui, Patrick, on y reviendra. Mais un apprenti certainement ravi, Zorodi, pour sa première victoire, certainement. Un grand merci, M. Patrick, M. le dernier de Breton, et tout le monde propriétaire. Et tout le temps, M. Patrick, j'ai tout le temps encore de courage. Et toujours aussi sur l'instruction. Bien content. Merci à mes parents aussi, tout le temps, derrière moi. Alors, on a fait un saut en Angleterre, et puis on a le monté en Nouvelle-Calédonie. Donc, certainement, c'est ma expérience qui naît d'où. Ça, c'est tout. En Nouvelle-Calédonie, pendant 4 ans, elle est venue me monter. Et aussi, combien les courses ont gagné là-bas? 22 courses en tout. Et donc, c'est vrai qu'il nous tient l'impression, on a très vite, mais nous gagnons l'impression également qu'il soit là, content quand on galope comme ça. Oui, t'avais pas hésité, même que mon talent, non, mais ça arrive qu'il m'a tout le temps. Il n'est pas content trop de dormir. S'il est si dormi, il arrête de galoper. Alors ça m'a obligé de bouger tout le temps. Si tu dormi, on connaît tout. On a une costée de double lit pour arrêter. Donc, non, on a le tranquille point d'été. Alors certainement, aujourd'hui, c'est quand on rentre la case, c'est la grosse fête là. J'étais avec mes parents, oui. Eh bien bravo, on est ravis en espérant que cette victoire va emmener d'autres, comme on dit. Merci. Bravo. Merci. Bravo. Donc Patrick, c'est un jeune que vous avez aidé dès ses débuts, et aujourd'hui le voir remporter une course, ça fait certainement plaisir. Oui, bien sûr. Kissen a commencé avec monter. Il montait un petit poney qui s'appelait Whisper, petit poney gris à Trobisch. C'est comme ça qu'il a commencé. Il était tout gamin. Et après, il avait la tête à ça. Et je dois dire, c'est un petit garçon qui est très sérieux. Premier à l'entraînement, tout le temps là, jamais absent. Et ça me fait très, très, très plaisir qu'il gagne cette course-là. Et ceci dit, peut-être que si Rama était toujours attaché à notre écurie, il n'aurait pas eu la monte. Hein. Et ça, parce que je n'aurais pas pu dire à Rama, non, tu ne montes pas, c'est celui-là qui monte. Et d'un côté, ça, les choses se sont bien faites et on est très content. Je suis très content pour lui. Hein. Alors, Mighty Lion a mangé du lion. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'a jamais baissé les bras. Hein. Non, c'est comme Kissen vient de nous dire. Personnellement, ça fait 15 jours qu'on a changé son travail. On travaille sur deux tours. Et c'est lui-même qui faisait le travail. Et à chaque fois, je lui disais, et quand il avait à faire un... Comme mardi dernier, il a travaillé avec Down Under. Il faisait le pas pour Down Under. Et je disais à Kissen, pas les Slidomi, pas les Slidomi. Même si ton corps il parle trop vite, pas fait rien, pas laisse lui dormir. Parce que il n'aime pas du tout être. Il faut qu'il dicte son pas. Évidemment, dans le lot qu'on avait aujourd'hui, c'était faisable, mais avec sa deuxième ligne, ça jouait qu'un peu contre lui. Hein. Personnellement, on a été voir, du reste, j'ai vu les commissaires de course pour leur dire je voulais à tout prix qu'il essaye d'aller devant et qu'il va essayer by all means. Et même s'il se retrouve un petit peu. Peut-être à l'extérieur d'un cheval, sur 150 mètres, 200 mètres, il va continuer à insister. Je voulais que ce soit safe pour Kissen. Et ben, il a écouté les instructions, ça a payé. Et le cheval, on est content pour les propriétaires. Maintenant, en plus de ça, cette course-là, je vais la dédier à Vikash, qu'on appelle, que son nickname est Moulkou, et qui, malheureusement, c'est son palefrenier. Qui a malheureusement perdu son fils dans un accident de motocyclette avant-hier soir, un jeune de 18 ans. Et cette victoire-là, c'est pour Moulkou. Eh bien, merci Patrick pour cette pensée. Donc toute notre sympathie évidemment à la famille. Sur ce, on va retrouver Jug pour la suite, c'est à vous.